Nicolas Garnier, GSF Pôle Santé, chef d'équipe en alternance. Timothée Deniotti, je suis à l'agence d'Écully, GSF Mercure. Je m'appelle Coraline Hugé, j'ai réalisé mon année de BTS et MSc en alternance dans l'entreprise GSF Auriga Le Mans. Moi c'est Louis-Marie Le Bellec, j'ai fait un BTS métier des services à l'environnement à Bruges, à côté de Rennes. Je suis Thibault Leguet, j'ai 21 ans. Je suis donc actuellement en deuxième année de BTS métier des services à l'environnement. C'est un concours qui s'adresse aux jeunes en BTS MSE, les métiers de l'environnement. Et il y a trois grands objectifs. Trouver les nouveaux talents de demain pour le groupe, de trouver également des sources d'innovation pour le GSF de demain et puis faire du réseau avec les écoles spécialisées dans les métiers de la propreté en France. Smart GSF, donc c'est une application qui a été façonnée à la culture de GSF. L'idée globale de l'application, c'était de fluidifier les contacts entre GSF et ses clients. Donc c'était mettre à disposition du client des fiches techniques de la méthode, des fiches techniques des produits utilisés, lui expliquer ce qui se passait sur son chantier. Notre projet consiste à comparer différents procédés de purification de l'air contre le gaz formaldéhyde, donc qui est un gaz cancérigène qu'on trouve dans toutes les habitations. Et également faire un prolongement d'études pour notre entreprise, donc GSF. La réalisation d'un protocole d'échauffement qu'on mettrait en place avant la prise de poste. Donc le but, ce serait de s'échauffer tous les jours 5 minutes avant de travailler, histoire de limiter les troubles musculo-squelettiques. Diminuer aussi donc les accidents de travail, les maladies professionnelles. En discutant avec des salariés, je me suis rendu compte des problèmes liés à la répétitivité des gestes, tels que les poignets, tout ce qui est tendinite, syndrome du canal carpien aussi. Participer à ce concours, ça a été beaucoup de nouvelles choses, nouvelles compétences notamment. Mettre en place des partenariats, ça a été créer un produit qu'il faut ensuite rendre au client avec toujours cette idée derrière de rendre la chose fonctionnelle, utilisable, vraiment pratique, utilisable sur le terrain. On grandit avec le BTS, on grandit avec les tremplins GSF en expérience. On prend de la solidité, du charisme et on peut être vraiment aller vers l'insertion professionnelle sur le marché du travail. La première fois que j'ai entendu parler de GSF, c'était donc lors de la visite de Serge Lunardelli. Et grâce au tremplin, donc, j'ai pu comprendre comment fonctionne cette entreprise, ses démarches et ses objectifs. Nos ans d'expérience chez GSF nous ont apporté surtout l'aspect professionnel du nettoyage et également aussi le contact humain. GSF est une entreprise qui ne laisse personne de côté, donc également les apprentis. On est très bien suivis par nos tuteurs. Rien que le projet Tremplin nous permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pu jamais rencontrer. Même en continuant chez GSF, il y a des personnes qui font 25 ans de carrière et qui ne rencontrent pas ces grands dirigeants, et également ne visitent pas le siège. Connaître dans la salle, il a soufflé un véritable moment de jeunesse où globalement on trouve des jeunes qui rentrent dans une entreprise, qui ont un premier projet. Il a été super intéressant de pouvoir poser des questions, découvrir le thème majeur, fondateur de leur dossier. Et puis en finalité, il a fallu se prononcer sur une notation. On a essayé d'être le plus juste possible par rapport au travail fourni, par rapport à l'idée. C'est pour moi une très très belle histoire parce qu'elle a commencé en 2012 et je sillonne toutes les écoles préparant au BTS, MSE et BTS-EN, environnement nucléaire, ce qui me permet de côtoyer à la fois les futurs talents, peut-être demain de GSF, mais également les professeurs et de voir leur implication quant à l'animation des projets. Ce que je peux espérer demain, c'est qu'il y a encore plus d'équipes qui concourent, parce qu'au travers de ces équipes naissent des projets. Le projet en lui-même va nous permettre peut-être de développer telle ou telle action, tel ou tel process au sein du groupe, et c'est surtout de voir les jeunes se fédérer autour d'un projet, autour d'une action et d'apprendre à travailler ensemble.